j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, pour le dernier vlog à la maison pour ces trois derniers prochains jours. Demain on s'en va chercher Nani, donc je peux vous dire qu'aujourd'hui il va falloir en occuper une particulièrement, voilà, parce qu'elle est montée sur du 200 volts, 2000 volts, 3000 volts, tout ce que vous voulez. Elle est hyper excitée de se dire que demain on va enfin chercher sa tata. Donc du coup aujourd'hui on va pas sortir dehors, on va être particulièrement à la maison, puisqu'il faut déjà qu'on fasse le rangement, qu'on prépare les lits de tout le monde, donc de Nani, de Tintin, de Raphaël, puisque Raphaël laisse son lit à Nani et Ilan. Donc du coup il faut que j'y prépare elle un lit aussi. Il faut que Mathieu répare le BZ, ça j'arrête pas de vous le dire depuis 3 jours, on n'a pas encore trouvé le temps, donc il faut qu'il le fasse. Il faut qu'on prépare les valises, enfin pour les 3-4 jours là où on s'en va. Il faut qu'on prépare la nourriture, enfin bref, il faut qu'on range la salle de jeu. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui à la maison. Donc il faut qu'on lave Doug aussi et Ruben accessoirement. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc je pense que ça va être une grosse journée, mais d'un sens tant mieux, parce que comme je vous disais, comme Sarah est hyper contente demain de partir aller chercher Nani, de voir mardi sa mamie, d'aller un petit peu au camping une après-midi, c'est mieux qu'on soit occupé aujourd'hui et que la journée passe vite et qu'on arrive vite à ce soir. Comme ça après ça passe plus vite et c'est mieux que d'attendre à rien faire quoi. Voilà, donc c'est parti, on commence cette journée spécial rangement, dernier jour à la maison, etc. C'est parti, go. Bon, déjà avec Sarah on a fait la salle de jeu, comme ça c'est fait, on a installé le lit de Raphaël dedans. Alors elle va être ravie parce que depuis qu'on habite ici, les filles ont toujours voulu leur chambre ici, dans cette pièce. Sauf qu'avec Mathieu on n'a jamais voulu parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. Et que occasionnellement c'est pas grave, mais tout au long de l'année, non, on a toujours dit non pour que ce soit une chambre. Voilà, donc on en a fait la salle de jeu. Mais du coup, bah là, je disais aux abonnés que Raphaël allait être faite parce qu'elle dort dans la salle de jeu. Ouais. Déjà quand elle est revenue, je lui ai dit je sais pas comment je vais faire pour la chambre à Roman et tout. Elle m'avait dit bah c'est pas grave, on met la salle de jeu en chambre. Et rebelote, on recommençait à dire non, il n'y a toujours pas de fenêtre, donc non. Donc là, elle va être refaite. Je vous montre un petit peu comment on a agencé ça. Donc voilà, on lui a posé son petit matelas ici. Comme ça, les filles, elles ont quand même accès à tout ce meuble ici. Et elles ont quand même accès à la dinette. Bon, là, normalement, il y a cette caisse-là qui est remplie pour la dinette aussi. Mais là, pour le coup, je l'ai passée derrière. Elles joueront que devant. Mais comme ça, elle peut passer aussi ici. Voilà, elle a quand même de la place. Voilà, c'est parfait. Le lit est fait. Je suis tranquille. Et puis, si elle a envie d'être tranquille, elle peut même fermer la porte, voilà, comme ça, ça y fait vraiment un petit coin pour elle. En plus, là, c'est ses fringues, je sais pas pourquoi, mais elle me les a mis là, donc ça, c'est ses fringues. Son lit est fait, donc déjà, ça, on est tranquille. Juste, je vais fermer la porte de la salle de jeu parce que je pense que Ruben, lui, va voir un lit, il va se dire youpi, il va aller dessus ou il va aller faire pipi dessus. Bref, au moins, déjà, ça, c'est fait. Vous allez me dire pourquoi tu l'as pas placé dans la chambre de Sarah et de Roxane. Tout simplement parce que si je la mettais là, les filles ne dorment pas. Parce que déjà d'une, Raphaël, elle bouge beaucoup la nuit. Donc c'est pour ça aussi que Nani ne dort pas avec elle. Parce que l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, elle a dormi dans la même chambre que Raphaël. Et on a dû la changer. Parce que Raphaël, elle parle, elle bouge, elle fait plein de trucs la nuit. Enfin bref. Et comme Roxane a un sommeil très léger ou très tardif, je préférais que Raphaël ne soit pas dans la même chambre que les filles, voilà. Donc du coup elle est dans la salle de jeu et elle sera contente, elle aura sa petite pièce. Donc pendant ce temps là Mathieu lui est en train de réparer le BZ entre guillemets, parce qu'il n'est pas cassé, c'est juste en fait une latte qui s'en va tout le temps. En fait il y a l'encoche qui est cassée et Mathieu, ça devait faire un moment déjà qu'il devait revisser la latte directement, mais on n'a pas eu le temps. Mais là il faut le faire parce que sinon Nani elle va avoir les fesses dans le trou. Ouais. Voilà, donc du coup là Mathieu répare ça, comme ça moi après je pourrais faire le lit de Nani pour le temps qu'on est à la maison. Et ben voilà, le BZ c'est fait, je lui ai préparé son lit. Il est déjà squatté évidemment. De toute façon à chaque fois que je fais le lit pour Nani, il est squatté par les filles. Donc ça c'est fait, j'y ai préparé son lit, ses draps, etc.
J'ai étendu mon linge, donc là j'en mets un peu partout parce que en fait le sèche-linge a pas fini de sécher. Mais moi il faut que je parte avec ma bannette de linge vide. Donc du coup j'en ai étendu sur les portes. Il y en a là, il y en a dans le sèche-linge, il y en a dans la machine à laver. Mais bon, comme il fait chaud, là je vais sortir après le séchoir dehors. Comme ça, je vais le mettre en plein soleil, il va bien sécher, ça va éviter qu'il soit en plein milieu de la salle. Et comme ça déjà, ça c'est fait, le linge c'est fait, le lit de Raphaël c'est fait, le lit de Nani c'est fait, tous les lits seront faits. Faut juste que je remette des draps sur le lit de Romane parce qu'elle les a enlevés avant de partir pour que je lui lave. Donc faut que je lui remette un drap, une taie d'oreiller et une housse de couette, mais je pense que je vais lui remettre celle-là, la foutre de rue, comme ça, ça sera bien. Là Mathieu est en train de ranger un petit peu tout ce qui retourne dans la cave parce que bah, on va pas replier le BZ de tous les jours avec Nani, donc on remet la housse dans la cave, la grosse couette parce qu'elle voulait pas de la couette, Raphaël l'avait, mais Nani elle m'a dit non il fait trop chaud, voilà, donc du coup je lui ai mis qu'une housse de couette. Donc ça avance, je pense que les valises on les fera que cet après-midi parce que là on arrive quasi sur le temps du midi, donc on va arrêter là, sachant que moi j'ai déjà fait mon balai dans la salle aussi, c'est fait, j'ai fait l'entrée aussi, j'ai fait la cuisine aussi, donc comme ça avance tranquillement mais sûrement. En fait t'as décidé de squatter tous les lits là Roxane, c'est le lit pour Raphaël? Non. Ah c'est toi qui veux dormir là? Oh coquine! Bon, on est à table les amis. Je vlogue alors qu'on est à table mais j'avais oublié. Du coup à midi on va pas suivre les menus parce qu'en fait il nous reste plein de trucs. Du coup on a fait du melon, on a fait les restes de plancha, il y a des saucisses, il y a de la charcuterie, du concombre, du museau, de la betterave. Enfin il reste plein de choses, donc du coup à midi on a fait ça. Du coup on est en train de manger ça. Il nous restera encore cet après-midi les valises à faire, bon, ça va être vite fait. Mettre les matelas gonflables dans la voiture parce que sinon on n'a pas assez de couchage chez ta mère. Il faudra que je fasse un soin cheveux à tout le monde, y compris moi, parce que comme les filles vont aller dans la piscine et tout, je préfère prévoir avant que les cheveux soient tout secs. Et quand on voit la touffe de Roxane, ça en a bien besoin. Donc du coup je vais faire un soin huileux cet après-midi. Comme ça après j'aurais plus qu'à leur laver les cheveux. J'ai mis leur drap à laver aussi. Tout est en train de tourner, sécher, etc. Franchement on avance bien. Je trouve qu'on avait plein de petites choses à faire, mais au final ça avance bien. Donc je suis assez contente. Voilà, maintenant je vais vous laisser parce que je vais manger quand même. T'es passionnée ou pas? Ah, je suis passionnée à fond. Est-ce que tu peux nous expliquer la règle? Alors, d'abord faut... du jeu à Sarah là. Voilà. Alors faut sauter à gauche ou à droite. D'accord. Alors faut pour monter sur les cookies. D'accord. Il faut faire attention parce que si les cookies sont cassés, bah tu tombes. Alors quand les cookies sont cassés puis que tu sautes dessus, bah il faut vite ressauter parce que sinon tu tombes et puis t'as perdu. Alors tu recommences. Voilà. Du coup t'es passionné par ce jeu quoi. Je suis à fond, je peux pas aller plus vite. Ah ouais, franchement. Et tu gagnes au moins là, j'espère. Bah disons que pour l'instant je perds pas. Hein. Et comment on sait si on a gagné? Faut aller jusqu'en haut pour gagner le cadeau. Gagner et c'est cadeau. Hyper long. Bah là j'ai presque fini. Voilà. Ah, il est placé le pauvre. Voilà. Ouh, il y a longtemps que vous m'avez vu avec un chignon hein, quand même. Bon là on a fait, on a posé les soins. Donc là c'est le soin pomelo que je vous avais montré avant shampoing. Donc j'ai mis sur moi, j'ai mis sur Sarah aussi pareil et sur les cheveux de Roxane. Et pendant que je faisais les soins de chacun, Sarah a préparé la valise d'elle-même et de Roxane. Mais du coup, je vais vérifier. Donc, on a combien de shorts? Alors ça, c'est une tenue, je suppose. Une tenue, deux tenues. Deux pyjamas. Ok, deux pyjamas. Ça, oui, c'est bon. Les casquettes. Ok. Faut mieux vérifier, hein. Je lui ai dit que c'était pas contre elle, c'était pour être sûr. Donc deux tenues, ouais, c'est bon. Hop, les casquettes, ok. Et ça, c'est Roxane? Oui. Alors, ouais, parfait. Ouais. Je lui ai pris ça. Ouais. Comme ça. Parfait. Je lui ai pris un short bleu avec ça et son... Parfait. Oublie pas de mettre des couches. Ouais, deux couches et des culottes, t'as mis? Oui. Culottes, chaussettes, maillot de bain. Pour moi, vérifier. Bon, la valise de Sarah, Roxane, c'est bouclé, c'est fait. On a même rajouté dedans
3 serviettes de bain parce que comme on va aller voir sa mamie à Sarah et Roxane, enfin leur mamie à Sarah et Roxane, on va aller la voir au camping et à la piscine. Donc déjà ils ont déjà prévu avec Tintin et Sarah d'aller dans la piscine, donc on prévoit les serviettes pour Sarah, Roxane et Tintin, comme ça au moins je suis sûre. Avec Mathieu on a préparé notre valise, on n'a jamais été aussi vite franchement. J'ai pris 2 bodys, 2 shorts, un pige, des sous-vêtements et basta. Voilà, là c'est pratique quand tu sais que tu pars que quelques jours et qu'il fait beau. Tu te casses pas la tête à prendre des chaussettes, un pull, une petite veste au cas où. Non, tu te prends pas la tête, tu... et voilà, tranquille. Donc comme ça, ça c'est fait. Notre valise aussi, elle est bouclée. Au final, avec Mathieu, on a retiré tous les draps de tout le monde. On s'est dit comme ça, ce sera fait. Donc on est en train de laver tout, sachant que comme on l'a fait la semaine dernière, les draps sont pas sales. Donc en gros, je fais des tournées de 15 minutes, parce que nous, on peut régler sur 15, 30, 45, 1 heure, et après, c'est des gros cycles. Mais là, c'est juste pour donner un coup de frais aux draps. Donc on fait tout tourner à 14 minutes, et ça sèche archi vite. Ce matin, j'ai fait, comme je vous avais dit, la couette de Roman, là je vais pouvoir lui remettre sur son lit parce que bah elle est déjà sec. Donc ça c'est nickel, elle est toute prête. Là j'ai la couette de Roxane, c'est pareil, je l'ai étendue il y a quoi 20 minutes. Je vais la retourner, mais là ici tout ça c'est sec, donc ça va archi vite. Il fait tellement chaud que ça sèche plus vite que dans le sèche-linge, donc hyper pratique. Ce matin j'ai étendu du linge là, c'est pareil avec Mathieu, on va le détendre parce qu'il est sec. En même temps on a aussi enlevé la housse du canapé comme on l'avait dit hier, on l'a aspiré et tout, comme ça ça va partir à laver et on va étendre le gros truc du canapé pour le coup dehors, parce qu'en fait il y a des fils à linge qu'on n'utilise jamais en fait parce que c'est derrière l'immeuble, mais là pour le coup on va les utiliser parce qu'ils vont être en plein soleil et ça va m'éviter d'utiliser le sèche-linge. Donc on va mettre ça tout à l'heure à sécher. Et en gros là il nous reste nos douches, les cheveux à laver vu qu'on a mis nos soins, laver les chiens, repasser un coup de balai partout. On ne fait que ça avec Mathieu, un coup il passe l'aspi, un coup je passe le balai. On fait que ça pour éviter d'avoir trop de poils demain. Et puis il me restera les toilettes à nettoyer et on aura tout fait en grand. La seule chose qu'on n'aura pas encore fait, c'est pousser les meubles de la cuisine pour faire derrière, mais on fera quand Nani sera là, c'est pas grave. Et en gros truc, avant de partir au camping, il nous reste à nettoyer l'extérieur de la caravane parce que elle est pas encore lavée, puis comme elle est un an sur place, elle a tendance à verdir légèrement. On pourrait partir comme ça, hein, ça serait pas méchant quoi, mais dès qu'on va poser la main dans le haut vent, on va avoir les mains noires ou les mains vertes là, c'est pas terrible. Donc du coup il nous restera juste ça la semaine prochaine, mais le plus gros est fait. Donc franchement je suis contente, je pensais pas qu'on allait avoir le temps de tout faire parce que là il est 16h, donc ça va, franchement la journée est passée vite au final. On a fait quasi tout ce qu'on a voulu, bah même tout ce qu'on voulait faire, donc on est content. Ouais. Ça passe vraiment très très vite. Mais on continue d'avancer. J'ai rincé les cheveux à Sarah. Enfin, j'ai lavé les cheveux, quoi. J'ai enlevé son soin. Ils sont tressés. Comme ça, c'est fait. On a mis, ça y est, la housse à laver, là, du canapé. Comme ça, là, elle tourne pendant 30 minutes, pour le coup. Qu'on mettra à sécher bah, juste après. Mais là, pour le coup, avec Mathieu, on s'est dit, petite pause bien méritée. Ouais. Du coup, on va se prendre le petit goûter. Parce qu'il est 16h30, donc on va prendre un petit peu le goûter. En fait, on a l'impression... Enfin... On sort pas, donc pour nous on se dit oh, on fait rien machin, mais en fait on a plein de choses à faire à la maison. Et là je suis contente parce que avec Mathieu on est quasi sûr que ce soir il y aura plus de linge, alors qu'on aura lavé la housse du canapé, tous les draps de lit, le linge qui restait. Enfin, on a super bien géré, donc je suis contente. On a fait tout le rangement aussi, tous les lits de Raphaël, Nani, c'est fait. Enfin. Tout sera fait, tout sera propre quand on rentrera de ces 3 jours là de mini vacances, j'appelle ça, de pré-vacances on pourrait presque dire. Donc je suis contente, j'aime bien quand on rentre et qu'on n'a plus grand chose à faire avant de partir. Quand on part 3 semaines comme ça après, que tu rentres et que tu t'es dit oh mince j'avais pas fait ça avant de partir, c'est vrai faut que je le fasse. Bah là non, on n'aura pas ça à se dire parce qu'on aura tout... tout fait avant, donc je suis vraiment contente, Mathieu aussi, ouais, donc c'est cool. Mais la petite pause bien méritée, parce que je vous avoue qu'on commence à en avoir plein les pattes en vrai. En vrai les amis, je n'en peux plus aujourd'hui, je n'en peux plus, je sais même pas quelle heure il est. Ouh, il est
18h40 et on est toujours en train de s'activer. On a pris le goûter, comme je vous l'ai dit. Après ça, on a lavé les chiens. Mathieu a lavé Doug, j'ai lavé Ruben. Comme ça, c'est fait. Il y aura moins de poils dans la maison et puis ils partent propres. Je préfère toujours leur faire une petite toilette, une toute petite douche vite fait avant de partir. Donc comme ça, ça c'est fait. Le lit de Roxane est fait en entier. Les draps sont lavés, séchés, remis sur le lit. C'est fait. Sarah, c'est fait aussi. Romane, c'est fait aussi. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a fait nos douches, hein, ça se voit, mes cheveux sont en train de sécher, là je vais les retresser. J'ai fait la douche à Roxane aussi, ses cheveux sont lavés, bref, on n'a pas arrêté une seule minute, franchement juste pour le goûter. C'est ce que je disais à Mathieu tout à l'heure, je ne sais pas combien on a fait de kilomètres dans la maison aujourd'hui, mais on en a fait. Voilà, donc du coup là, ce qu'il nous reste à faire, moi il faut que je me tresse encore les cheveux. J'ai mis les dernières couleurs à laver, après il me restera les derniers blancs. Donc les dernières couleurs vont arriver sur l'étendard qui est déjà vide. Comme ça c'est fait. Et après il me restera les blancs et tout mon linge sera fait, je serai à jour. Ma salle de bain est faite en grand. Quand j'ai fini de faire ma douche, je l'ai refaite en grand, anti-cal partout et tout. Enfin, bref. Comme ça c'est fait, on est tranquille. Et voilà, en gros aujourd'hui ça aurait été vraiment une grosse journée rangement et préparation pour le départ. Comme ça vraiment on est tranquille, j'ai pas de gros lavage à faire avant de partir pour les grandes vacances. Et ça c'est cool, il nous restera juste ça à mettre dans la caravane, là, la nappe et tout ça là. Ouais. Il nous restera ça et puis c'est tout et ça sera bien. Parce que là franchement je suis naze. En vrai, on n'est pas sorti, mais on n'a pas arrêté. On a fait du ménage, du rangement. On n'a fait que ça aujourd'hui. Mais on est content parce que c'est ce qu'on se dit avec Mathieu. Dans chaque pièce où on va, à chaque fois qu'on ouvre un placard, c'est rangé. Une pièce où on va, c'est rangé. On ouvre un tiroir, c'est rangé. Franchement, c'est hyper agréable. Donc, on est naze, mais on est content de l'avoir fait. Le chef est trop fort. Il a réhoussé le canapé. Ouais, franchement, c'est rare qu'on arrive à le laver. Le sécher et le remettre la même journée. Mais là, comme je disais, il fait super chaud dans la maison en vrai. On est sorti là tout à l'heure pour aller rechercher ça là. Ça nous a fait prendre un peu l'air à tout le monde. Et du coup, je dis à Mathieu, mais tu m'étonnes en fait qu'on a chaud à la maison. Il fait vraiment chaud dehors. Donc pour le coup, en quoi 2 heures, il était sec le truc. Donc nickel. Là, c'est la dernière tournée de couleur qui est en train de sécher du coup dans la chaleur de la maison et au vent du ventilo. Franchement, pas mal. J'ai la dernière tournée, aïe, ça c'est mon balai, la dernière tournée de blanc qui est en train de tourner. J'ai les serviettes qui sont en train de sécher parce que pour le coup je préfère quand elles sont séchées au sèche-linge, ça évite que les serviettes soient rêches. Parce que quand vous n'avez pas de sèche-linge, vous les repassez. Bah quand vous avez un sèche-linge, vous n'avez pas besoin de les repasser du coup. Et du coup, on a même la bannette de linge voilà, qui a été nettoyée et qui est vide. Je suis trop contente. Trop contente, on a réussi à tout faire, mais vraiment tout ce qu'on voulait. La seule chose qu'on n'a pas encore fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment laver la caravane à l'extérieur. C'est la seule chose qu'on n'a pas encore pu faire depuis que Mathieu est en vacances. Mais franchement, tout le reste c'est fait. Ça sent bon à la maison, ça sent le linge là depuis ce matin que ça sèche là-dessus avec le ventilo, ça sent le linge. Et là le canapé il est propre, enfin, franchement ça, même notre lit est refait. Ouais. On est tranquille. Là, ce soir, il nous restera à faire à manger, repasser vite fait un petit coup de balai, mettre dans le coffre ce qui craint pas au niveau nourriture et ce qu'on n'a plus besoin. Et puis, c'est tout. Comme ça, demain matin, on aura le frais à mettre dans la voiture, les oreillers et les couvertures parce qu'on n'embête pas ma belle-mère à relaver derrière nous. Hop, on prend avec nous, on s'embête pas. Et il nous faudra ça, mettre les chiens, nous, accessoirement. Voilà. Et puis voilà, franchement, demain, on aura quasi rien à faire. Même Mathieu a réglé déjà la caméra de surveillance pour demain. Ouais. Comme ça, ça s'est fait. Franchement, je suis vraiment contente. Ça a été une journée maison, mais une journée productive. Bien remplie. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux manger, toi ? On mange des saucisses. Ah oui. Tu veux manger des saucisses ? Oui. Et du pâté ? Oui. Des cornichons ? Oui. Du melon ?
Quoi d'autre? Du saucisson. Du saucisson? Oui, oui, oui. Ok, bon bah on a tout ça. Donc on va faire ça, on va manger là parce qu'il est quand même 20h20. Donc on va aller manger. Après, faut que je refasse mon ongle, les amis, regardez. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, j'ai le vernis. Voilà, bon, on voit pas très bien. Mais qui a tout sauté et que sur cet ongle. Donc je sais pas pourquoi. Mais quand je l'ai posé, déjà j'ai dit à Mathieu, je le sens pas trop ce vernis. Ruben. Donc du coup, faut que je le relime vite fait et que je repose le vernis jaune. J'espère que ça va pas me faire ça pendant les vacances. Si ça me le refait une deuxième fois, j'enlève tout et je fais une autre couleur pour le camping parce que sinon ça va jamais tenir avec le chlore et tout de la piscine. Je serai obligée de le refaire. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner et voilà. Je m'en doutais un peu que ça allait pas faire ce vernis. Quand j'ai vu la texture et tout, j'ai dit à Mathieu, j'ai dit, je suis pas sûre celui-là. Mais bon, c'est comme ça, hein, si on teste pas, on peut pas savoir, hein, c'est la vie. Bref, donc on va manger. Ouais. Bah, oui, mais j'aimerais bien que tu te calmes parce que encore une fois, j'ai mal à la tête et ça fait déjà 3 fois que je te demande de te calmer. Ça fait déjà 3 fois de trop en fait, j'aurais même pas besoin de te le dire que t'as besoin de te calmer. On a eu aussi Romane au téléphone, tout va bien. Elle a été au lac ce matin et ce soir. Voilà, je pense que en fait leur mère les emmène le matin et le soir parce que le matin à partir d'une certaine heure on paye pas. Je crois que c'est à partir de 10h on doit payer. Non, ouais, à partir de 11h on doit payer. Et après 18h on paye plus. Donc je pense qu'elle y va avant 11h et qu'elle y va après 18h. Comme ça, en fait, elle paye pas le lac. Donc, du coup, là, Romane était encore au lac à cette heure-là. Mais je sais pas, ah, t'as dit qu'elle... Non, c'est toi qui as dit qu'elle allait la rappeler tout à l'heure une fois qu'elle sera rentrée, qu'elle aura mangé. Donc, du coup, voilà. Mais sinon, tout va bien pour elle au pluriel. Voilà. Donc, nous, on va préparer à manger. Et puis, après, on finit tout ce qu'on a encore à faire. C'est parti. Je crois qu'on est tous éteints, là. Ça y est. Ouais. Non mais il sent plus là monsieur Hibou là. J'ai bien fait de lire les commentaires Pierre. Non mais en fait on a fini tout ce qu'on avait à faire. On a même arrosé les plantes dehors. Et en fait moi je suis en train de déposer, enfin d'enlever le vernis qui est sur mon ongle pour le remettre bien. Donc Mathieu il me dit bah, pendant que tu fais ça, je monte le vlog, je te valide les commentaires et j'y réponds. Voilà, depuis tout à l'heure il est comme ça parce qu'en fait parmi vous, nombreuses femmes, je dirais même 100% de femmes, ont dit que Mathieu avait gagné 10 ans, qu'il était beau comme ça, bien, bien, avec sa barbe, que quoi? Comment? Que t'étais beau, que t'étais beau, sublime. Que t'étais... Non, abuse pas. C'est marqué là. C'est vrai? Juste là. Tu es sublime Mathieu? Oui, que j'ai gagné 10 ans. Oh l'autre, non mais du coup il se sent plus. Il se sent plus. Ouais mais rien ne vaut tes... Non mais en plus là il fait genre, il fait oh, rien ne vaut les compliments de toi, il fait ça là, il fait genre. Mais tout à l'heure quand il fallait aider les commentaires, il me dit oh j'ai gagné 10 ans, oh je suis beau. En plus c'est que des femmes qui me disent ça. Non mais il est pas culotté dessus. Non mais je vous jure on n'en fera pas deux des comme non, ça. Non ça c'est sûr. Bon Mathieu a monté le vlog, j'ai refait mon ongle et en fait je suis en train de faire un autre. Pas qu'il était décollé ou quoi, mais juste je le trouvais très moche. Le problème c'est que j'ai fait une très mauvaise dépose sur celui-là parce que ça me gonflait et que j'ai perdu vite patience, voilà. Et du coup, à mon grand dame, c'est ça qu'on dit, j'ai arraché tout, y compris mon ongle en dessous. Bon, j'en ai encore hein, de l'ongle, mais je l'ai bien abîmé quoi. Et donc du coup, quand j'ai reposé dessus une capsule, évidemment, ça tient pas comme il faudrait. Donc du coup, je trouvais la forme de l'ongle pas belle, je trouvais que c'était pas beau. Bref, du coup là, je l'ai bien poncé, je le laisse tremper dans l'acétone et je vais essayer de refaire une belle pose. Mais en fait, comme j'ai plein de petits bibis autour là, de l'ongle, avec l'acétone, ça me fait très mal, voilà. Donc du coup j'attends patiemment que ça se décolle tranquillement et puis je vais refaire lui comme ça sera fait et je serai tranquille en espérant que ça tienne les 4 semaines. Mais de toute façon c'est ce que je disais à Mathieu, je pense que je vais prendre mon nécessaire quand même au camping, je vais caler tout ça dans les coffres et voilà comme ça si j'ai besoin de refaire et ben je referai au camping, voilà tout simplement. Nous on va vous laisser là parce qu'il est déjà tard, il est déjà 22h et quelques je crois, 22h09. Ouais.
Donc je vais vous laisser là et on se retrouve demain du coup pour le départ pour aller chercher Nani. Je sais que vous êtes aussi impatients que nous. On vous fait tout plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait parce qu'on va partir en vacances. Si vous avez envie de suivre nos aventures, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà. N'oubliez pas de liker les amis, c'est très important. Et de commenter si vous avez envie. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Ciao les amis.